Magique 909, merci pour fidélité. Nous, attention, nous avons suivi le panel magique. C'est l'heure pour nous entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison Le Nouveliste matin. Cafouillage au sommet de l'État, honte sur Haïti. On savait nos institutions faibles et nos ressources humaines limitées. Cela n'était pas un secret pour personne. Malheureusement, depuis quelques mois, il y a un étalage des limites de nos responsables au plus haut niveau qui constitue un embarras pour tout le pays. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement Kony multiplient les couacs à une si grande vitesse qu'on se demande à quel concours ils participent. L'esprit qui anime la concurrence malsaine entre les deux branches de l'exécutif a des répercussions sur le pays entier. Sans revenir aux événements passés, sans rappeler les accusations qui jettent l'opprobre sur les uns ou les autres, sans prêter foi aux rumeurs qui fleurissent, prenons ces trois derniers jours comme exemple. Haïti, la présidence et le gouvernement a mal reçu le président du Kenya, William Ruto, lors de sa visite de quelques heures dans le pays. Le protocole était en dessous de tout. Les messages véhiculés pendant le point de presse n'avaient pas leur place. L'image que le pays a laissé voir était peu flatteuse. Le président du Kenya n'était pas sorti que le pays était plongé dans les péripéties du voyage des dignitaires haïtiens pour participer à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Depuis des jours, il paraissait évident qu'il allait se poser un problème de représentation et qu'Haïti n'allait pas parler d'une même et forte voix pendant la très importante semaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le CPT et le gouvernement ont échoué à s'entendre et ont heurté le pays. Si ce lundi, les problèmes d'accueil du président du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc fils aux États-Unis ont été réglés, l'incident avec le protocole brésilien impliquant le conseiller Voltaire illustre le grave et gros problème de niveau et de sens de responsabilité à la tête de l'État et dans les services de diplomatie haïtienne. On a comme l'impression que les chefs haïtiens de 2024 sont des enfants qui se battent pour avoir la clé d'un magasin de jouets et que ceux qui y accèdent font tout pour laisser les autres dehors. C'est navrant. Le pays a tant de problèmes urgents à adresser. Il n'y a ni dialogue respectueux, ni sens de l'État, ni souci de bien servir le pays de la part de nos apprentis dirigeants. Mesdames, messieurs, vos cafouillages au sommet de l'État font honte au pays. Franz Duval. Merci un peu, Junior Célestin, pour l'écriture live. Bonjour, bienvenue pour le décryptage éditorial. Bonjour, Monsieur Célestin. Bonjour, Monsieur Alphonse. Bonjour, Monsieur Geoffroy. Bonjour, Sénat. Bonjour, Gaël, Germina, Livette. Bonjour, Docteur Edmond. Bonjour, chaque auditeur. Chaque auditeur magique, bien content avec nous matin. Bien content de gagner au FD. Il y a ce qu'on savait déjà de nos institutions. Bon, oui, M. Alphonse, institutions nous faibles, ressources humaines nous limitées. Par exemple, ce qu'on a fait là, nous te comme ça déjà, M. Alphonse. Et depuis quelques mois? Malheureusement, on est à l'âge des limites de nos responsables au plus haut niveau qui constituaient des embarras au pays. Enfin, M. Alphonse, on est sur ces choses. Il y a tant de quoi qu'on a l'impression que mon concours va peut-être là. Et le conseil présidentiel, tellement qu'il y a qui mal passé, on a l'impression qu'on concours, on a l'impression qu'on a un bon esprit qui anime une concurrence malsaine. Que peut-être que tu n'as pas eu compte de ça, mais ça a des répercussions sur tout le pays. On ne peut pas retourner sur des événements passés, mais on prend des bails récents. Oui, nous avons besoin de tourner sur accusation ou une accusation sur même CPTO. Nous avons besoin de tourner sur rumeurs qui ont circulé sur les uns et les autres. Monsieur Alphonse, on était tout simplement dans ce qui passait samedi, dimanche, lundi. Samedi, Monsieur Alphonse, la présidence à gouvernement fait que Haïti mal recevoir le président Kenya, William Ruto, qui te font visite de quelques heures dans le pays. Monsieur Alphonse, pendant la visite, ça, le protocole était en dessous de tout. Le protocole là, c'est qui j'en recevoir, mon gars, venir à Kawa, Monsieur Alphonse. Qui j'en organisé visite là? Qui j'en dit poser, mon yo?
C'était cafouillage total, monsieur Alphonse. Pendant point de presse entre deux présidents, le président Ruto avec le président Leblanc, il y a des paroles que le président Panon a dit, qui n'ont pas gagné ou qui ont perdu dans le point de presse avec le président Ruto, parce que c'est pendant ce moment-là qu'on apprend que le président n'a pas parti, qu'on parle de lettres, de l'eau, du département d'État. Ça n'a pas gagné pour discuter là, M. Alphonse. Ça a été problème éternel, nous, M. Alphonse. Ensuite, image générale que nous quittons, yo ouais de Haïti, parce que le président Kenya n'a pas sorti de l'aéroport, non? C'est-à-dire, on côté, nous t'a arrangé pour tout le monde passer bien. Mais M. Alphonse, l'image n'est pas flatteuse. Le président Kenya n'était pas au parti que le pays était plongé dans la péripétie du voyage des dignitaires haïtiens pour participer à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Oui. C'est cinéma sur cinéma, concernant voyage affaires actualité. Mais, M. Alphonse, visiblement, c'est parce qu'on désorganisation générale, on ne parle pas qui fait un deux branches exécutives, et une espèce de ou bien faiblesse ou bien compétence au niveau de la diplomatie haïtienne. On dit depuis des jours, il te paraît évident que bon problème de représentation qui était là sous tête nous là. Oui, Regardez. expliquer, pendant la visite du président Ottawa, dans le moment de conférence de presse conjointe entre deux chefs d'État, il n'y a pas de pour venir parler là devant M. Ottawa. Difficulté pour nous organiser un pays. Il n'y a pas de pour la discuter dans la conférence de presse, son président qui vient rendre nos visites. Bon, le protocole n'a déjà pas de bon, ça nous dit dans la conférence de presse, pas de l'inflation. Au final, M. Alphonse, nous avons une image peu flatteuse de PIA pour un président, une délégation, qui vient pas même sortir de l'aéroport. Mais Maintenant, malheureusement, nous n'avons pas réussi, nous avons dit cadrer visite là, pour tout le monde bien passé. Parce qu'on chorégraphie efficace. Le service du protocole qui dépend du ministère des Affaires étrangères et de la présidence, parce que la présidence qui le protocole parle. Et mieux par réussir qu'on travaille d'acadie de qualité. Président, vous trouvez quoi aller là? Et puis bon, et bon, bah, elle a Bon, décommencé là, on depuis. a, nous plongeons net dans la péripétie voyage et responsable haïtien, qui a parlé dans la 79e Assemblée générale de l'ONU. Mais M. Alphonse, pas de trop étonnement, non? Depuis des jours, nous, personne n'a jamais vu qu'il délégation haïtienne, non? Parce que l'Haïti parle à l'ONU, M. Alphonse. C'est Haïti qui parle à l'ONU, M. Alphonse. Ce n'est pas ni Jacques, ni Pierre, ni Joseph. C'est Haïti qui parle à l'ONU. Faites pour une seule voix, une seule liste, une seule délégation. Chaque monde a un rôle pour jouer. Ce n'est pas la première fois Haïti parle à l'ONU, M. Alphonse. Président. Alors, il faut me dire qui est-ce qui commence à aller à l'ONU. Hein? C'était Henri Namphy. Parce que sous Duval, le président pas qu'on allait dans l'ONU. C'est toujours ambassadeur au ministre des Affaires étrangères qui lui dit quoi. Mais depuis qu'on parle à l'ONU, ça arrivait déjà que le président, le premier ministre allait dans l'Assemblée générale là. Chaque monde était dans la limite pas eux. Chaque monde était dans la limite pas eux. Un moment qui est clair, Odili, le CPT et le gouvernement ont échoué à s'entendre et ont heurté le pays. Excusez-moi. Alphonse, parce que mon cap gardé, qui c'est journaliste ou bien qui c'est tout simplement haïtien normal qui a regardé, qui a essayé de s'entendre. Pour qui ça, nous vient tout est pas l'empile ça, tout est ouais ça, tout est bagaille qui pas réglé ça, pour exercice qu'Haïti a là-dedans chaque année. C'est qu'en principe, tu as supposé que mon ministre des Affaires étrangères, tu as supposé que mon la présidence qui connaît qui ça pour faire. Voilà que brusquement, c'est comme si nous perdions tout savoir faire, nous, monsieur Alphonse. OK. Maintenant, si elle dit y a un problème à que le président Leblanc te résoudre, et Oui, là, hier, enfin, depuis samedi, il y a une lettre du département d'État envoyée pour dire monsieur Leblanc pas recevoir. Après ça, l'ambassade américaine vient dire bon, tout va régler. Hier, monsieur Leblanc expliquait nouvelle liste que nous recevons un email de Brian Nichols. C'est réglé la partie matin à 10 h. Mais ça va être qu'on finit résoudre que nous tendons un incident qu'on est là entre conseiller Voltaire et le protocole brésilien. C'est Jean-Daniel Senac qui a assisté à l'incident. Mais qui s'allie, une réunion qui a fait porte fermée entre président Lula et premier ministre Kony.
conseiller Voltaire paraît, il dit qu'il peut participer dans la réunion tout, juste tant que le protocole avec la sécurité du Brésil n'a pas quitté l'entrée. Monsieur Alphonse, là encore, c'est pays où on a pris dans la boue. Quel que soit sacrifié entre personnels diplomatiques, entre ambassadeurs, entre ministres, entre conseillers, ce pays a traîné dans la boue. Ou c'est sur Google, il va chercher qui est le président d'Haïti. Parce que nous établissons fiction que tout le monde président dans la Fonio. Bon. C'est dommage, mais M. Alphonse, un grave problème de niveau et de sens de responsabilité à la tête de l'État et dans les services de la diplomatie haïtienne. Non, pas rien d'autre à vous dire. Non? Ou bon, l'impression que c'est des petits mondes qui... Ah, M. Alphonse, les chefs haïtiens en 2024 sont des enfants qui se battent pour avoir la clé d'un magasin de jouets. Et les rejoignent clé, ils vont amener l'autre monde entrer là-dedans. C'est ce lieu qu'on doit jouer. C'est comme si nous avons la bataille pour les privilèges qui navrent, M. Alphonse. Mais il y a tellement de choses pour le régler, et puis c'est si jouet ça au chef qui a fait. Alors, où dit, là, dans le constat, et là, ce sont les évidences, les embarras qui le montrent, et problème sens de l'État, responsabilité, etc., qui embarrasse nous, parce que où dit, les frères insister, répéter dans les oreilles, parce qu'ils ne représentent pas leurs petites personnes, ils sont là au nom d'Haïti. Et donc, bah, ça fait un escamp pour eux songer. Ou dit, FD, il n'y a ni dialogue respectueux, ni sens de l'État, ni souci de bien servir le pays de la part de nos apprentis dirigeants. Mais apprentis dirigeants qui n'ont aucun souci de ces choses-là, qui sont des bagailles, c'est des caractères, je dirais. M. Alphonse, si vous avez passé plus bien, M. Alphonse. Vous avez passé plus bien, M. Alphonse. Le problème, c'est que tout le monde se trompe de qui est sur lui. 10 moun ki nan tèt peyi a jodi a, youn pa lejitim, youn pa legal. Ton ti bout job yo ba yo. Youn pa pase nan eleksyon, youn pa pren pouvoir pa les am. Bon Dieu pa di, ken nan yo se yo pou dirije Haiti. Alors reste la son ti koregrafi pou yo fè pou ba la pase bien. Je n'ai fait là, M. Alphonse, yo pa fouti mene peyi a vers des eleksyons et vers un passation de pouvoir tranquille en 2026. Je n'ai fait là, di a. Maroun, si demain, après un genou, mais j'en ai fait là, je dis, on ne peut pas avancer. Ben, l'on dit des mondes qui, entre guillemets, qui de fait au sommet de l'État, qu'ils n'ont aucun sens de l'État. Tout est dit, oui, là. Ben, M. Alphonse, si vous avez un sens de l'État, M. Alphonse, que demain, nous ne pouvons pas faire. Demain, nous ne pouvons pas faire, M. Alphonse. Que demain, nous ne pouvons pas faire, M. Alphonse. Que demain, nous ne pouvons pas quitter l'hiver, M. Alphonse. Nous avons protégé l'institution. La présidence d'Haïti, c'est une institution, quel que soit le monde qui est dans la tête là. Le ministère des Affaires étrangères, c'est de protéger cette institution. Et chef, donc, est-ce que ça le ministère des Affaires étrangères? Parce que on ça oui. Est sur l'île tombée. Oui, oui, c'est sur l'île tombée, c'est les diplomates et la ministre. Maintenant qu'on y a tout, dans la tête CPTA, il faut M. Voltaire et les autres comprennent qu'il y a un président du CPT. Nous ne pouvons pas avoir un lieu interchangeable et nouvelé. Oui, mais, FT, comment imaginer ça, ça veut dire? Pour réunion, on fait porte ferme et réunion comme 15 minutes, vous frappez pour m'entrer. Et puis, c'est comme si la chose est tellement lourde que. On peut essayer d'imaginer comment est-ce possible, comme si on ne peut pas mettre ça sous lit. On ne peut pas. Monsieur Alphonse. En plus, M. Voltaire était accompagné du chef de cabinet de M. Leblanc, qui lui-même son ancien ambassadeur d'Haïti au Brésil, qui connaît les règles et usages. Oui, M. Voltaire était ministre, quelqu'un qui a un pédigré. Non, M. Voltaire était plus que ministre, M. Voltaire était chef cabinet président Aristide. Bon, nous tous comptons ça pour nous faire ça, pour ne pas faire, malheureusement. Mais Kounia, si c'est politique, n'a fait pour nous montrer que c'est Peter Abgouma avec PM, là, nous te mettons faire ça, nous voulons, mais nous pas besoin de prendre Haïti, nous le mettre dans la bois. Ah, ça va le parti, parce que parti ça. Non, pas un problème. Nous, non, qu'un politique, hein, parce qu'on doit être politique. Qu'après, M. Voltaire, d'ailleurs, dans le Nouvelliste Matin, dénonce un coup d'état diplomatique, il dit qu'il y a des têtes qui vont tomber. Bon. Par contre, si c'est politique, qu'a fait, mais le problème, non, c'est que c'est l'image haïtienne qu'on a abîmé. Nous, déjà, pas un gros crédit, oui, et puis on n'a pas abîmé, tu restes nos repères. En tout cas, M. Alphonse, mesdames et messieurs, vos cafouillages au sommet de l'État font honte au pays. Ça, c'est clairement dit. Merci, ça qui m'a joué dans l'entreprise.
Eh bien, nous venons de sortir avec un paquet d'articles unis. Parmi les articles, ça y est, d'accord, la conclusion heureuse. Haïti à l'ONU, les problèmes sont résolus. Le président Leblanc sera à New York ce mardi. Et la crise haïtienne a été largement sous-évaluée, dit Gary Conille. Gary Conille était parlé devant Ecosoft. Gary Conille dit, communauté internationale là, on d'accord, dit ces quatre vérités. Parce que c'est ça lié. La crise a été sous-évaluée. Solution que les États-Unis ont prônée depuis quelques temps, yo, eh bien, il n'y a pas de résultats, y compris la mission multinationale d'appui à la sécurité qui est trop faible. Visite du président William Ruto à Port-au-Prince, 600 policiers kenyans supplémentaires attendus en Haïti avant la fin de l'année. Campagne raciste, xénophobe, mensongère de Trump contre les Haïtiens, les élites démocrates contre-attaquent. Nous espérons, au lieu que chef nous a une image spectaculaire là, nous avons supporté une manifestation qu'a fait pour dire Haïtiens, oh, Kembe là. Mais malheureusement, il passe à régler. C'était à faire parler à l'aide de M. Alphonse. Hier, monsieur, bon, l'autre communauté, oui, écoutez, que les Charleroi, dans Pennsylvanie, même attaqué Springfield, même mourir. Bon, de toute façon, on va camper. Et là, de plus en plus, moi, je conseille de l'autre côté. Je regarde matin, là, on côté en Alabama, en petite communauté, tout. Je commence à mettre des présences haïtiennes en question. Parce que ce sont chasse aux haïtiens que M. Trump soulevait. Oui, ça l'est, et ça l'est, les Nous, systèmes en tout. pouvons comprendre ça qui a privé nous, mais ça qui a privé nous très grave. Les qu'on arrive dans notre pays, il finit par tuer Mounio. Ouais. C'est très Et grave ça qui a privé nous. Oui, systématique, comme et on chaque comprend fois, tout. comme haïtien, on ne comprend pas concerné, ou trompeau. Michael Guy a fait un témoignage pendant le week-end, quand il expliquait que petit à l'école, elle tournait, tout le monde a vu expliquer que M. Abdil. La frappe nous, la frappe petite nous, la frappe madame nous, la frappe nous, tout qui est haïtien. Toujours à la une du nouvel ce matin, des petites victoires de la PNH. PNH vient des avancées qu'elle a fait, a essayé de récupérer centre-ville de Port-au-Prince, a essayé de bataille avec Gagnon. 9 milliards de gouttes de programmes sociaux, pour des programmes sociaux, c'est hier que ça a annoncé. Mais plusieurs ministères gagnent 9 milliards de gouttes de mer pour dépenser pour programme social, M. Alphonse. Le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, dit au revoir. Et après 4 ans, M. Maes est pour aller, Mdakadi, dans l'autre mission, l'autre côté. Mes aventures de Leslie Voltaire avec le protocole brésilien, nous parlons de ça matin. Et puis Leslie Voltaire dénonce un coup d'État diplomatique et annonce que des têtes vont tomber. Merci. C'est ton plaisir, M. Alphonse. C'est ton plaisir. Moi, bon, pénalité, toujours, M. Alphonse. Moi, quand on parle de ça. Bon. Non, Si moi, on quand parle on parle de ça. de pénalité sur un déclin, moi-même, je ne vais pas trouver une pénalité pour me répondre. Bon, M. Alphonse, mais personne ne va trouver une pénalité, M. Alphonse. Mais comme c'est réel, M. Alphonse. En tout cas, Kimbella, là, M. Alphonse, je suis bien content. Oui, Moi, ma voix, nous sommes même point de vue. Non, même ça, moi, il est même m'a dit, même Et l'aime surtout, je suis très content, Sénat pas là pour ne pas venir plaider. Sénat mettrait à l'ONU côté l'IA, papa. Juste à la faire à l'ONU. Eh bien, d'accord. Merci, M. Duval. Junior. Qu'est-ce que là, M. Alphonse? Qu'est-ce que là? Qu'est-ce que là?